Merci Excellence. Je vais vous dire ceci. Oui. Moi, je suis le délégué à pied d'œuvre. Je maîtrise beaucoup plus les histoires techniques sur l'évolution des ouvrages, tout ça. L'évolution financière, en tout cas, je ne maîtrise pas ça. À 55%. 55%. Oui. Il nous reste 45%. Les 45%, c'est juste l'autre partie là qu'on a déjà commencé à terrasser. Mais on a bloqué un peu parce qu'il y a beaucoup d'eau qui sort dans le sol. Il fallait qu'on finalise d'abord ça. Puis, on... Votre vidéo pense au Balandi magazine d'actualité RDC ou à Bassam. Et tout le monde, Balandi, Bolam.
Nous sommes des élus. Tout le monde est basé sur une idée d'abîmement pour que puisse auto-transmettre en avant conseil, pas décanter la situation. Donc vous êtes appelés à nous dire toute la vérité. Pourquoi Misa Lana Bino qui doit avancer? Je suis ingénieur chef de chantier, je suis ingénieur civil de promotion. Il y a le conducteur de travaux qui est là. Ingénieur de 6, il est ici au chantier. Bon, nous avons commencé ce chantier ici. Il y a eu beaucoup de difficultés techniques. D'abord ici, ce chantier ici. Nous sommes tombés sur plusieurs difficultés, notamment par rapport aux concessionnaires de ce chantier, la SNEL et la Régie des Sceaux. C'est pourquoi, lorsque Manuel est venu chef de l'État, on était un peu plus en retard. Et par rapport aussi à la géotechnique du terrain, le sol ne nous a pas favorisé. Ici, là, vous êtes sur le béton de pauvreté. Donc la population dit que les travaux n'ont pas avancé ici. Nous avons assez avancé ici, travaillé ici. À ce niveau ici, déjà par rapport au terrain naturel, nous sommes allés à plus ou moins 3 mètres de profondeur. Déjà à ce niveau ici. Donc si vous remontez au niveau du terrain naturel, ça fait environ 8 mètres. On a creusé, on a escalé, nous sommes tombés sur le terrain naturel. Des crabes de 1500 et de 1400 de la région qui n'étaient pas bien répertoriés sur les plans. Donc vous pouvez voir un tuyau qui est là, évidemment. Dans ce tournoi, il y en avait deux. On a pu enterrer un, il en reste un. La technicité impose comment enterrer ça. Mais les travaux ne se limitent pas ici. De l'autre côté aussi, on a avancé sur le point de vitrancement et coulage des ouvrages. Les travaux ont été stoppés, c'est une décision de la hiérarchie, au niveau de la direction. Mais nous, la motif, moi je ne suis pas au courant de ça. Vous pouvez estimer les taux d'exécution de votre travail à pénétrer. Alors, c'est tout pas. En termes de pourcentage. En termes de pourcentage. Je suis ingénieur civil de formation. Ingénieur, on ne va plus, s'il vous plaît, on ne va plus vous retirer que ce soit. Ce sont les élus, ils iront faire les rapports à qui des droits. Ayez aussi le courage d'éclairer la situation, puisque maintenant, là, vous-même, quand vous sortez, vous voyez comment est-ce qu'il y a des mouchons partout. Faites un effort pour dire avec précision, puisque vous êtes ingénieur de formation, vous avez réalisé des travaux à autant de pourcentages. C'est plus pratique comme ça. Pour relayer mon collègue, en termes de précision, quant à, je vais arriver, quant à évaluer le pourcentage auquel nous sommes arrivés en termes d'exécution des travaux, jusque maintenant, il nous est un peu difficile de le faire, puisque ça se fait sur plusieurs plans. Il y a l'ensemble de ce plan-là, c'est ce qui constitue là, cette construction. Non, si je comprends, si vous voulez, si vous voulez entrer dans la logique de votre collègue, il sait déjà. Il y a... Non, s'il vous plaît, c'est pas ce que... Nous avons creusé de pieux. Là, vous êtes ici, il y a eu des pieux.
qui sont allés. Donc il y a une fondation profonde, pas superficielle. Quand nous demandons en termes de présence, vous sentez ce que vous allez faire. Parce c'est ce que j'étais en train de vous répondre. Oui. Quand on vous offre un marché, c'est un marché à bordereau des prix. C'est-à-dire quoi? Tous les travaux, la nature des travaux, tous les travaux sont énumérés. On vous dit vous allez faire ça, 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 voilà. ça, avec les quantitatifs et les prix afférents. Qu'est-ce que vous avez alors, par rapport mais à on ne peut pas répondre à 80 questions à la fin. Suivez-moi. Voilà, par rapport à notre bordereau, nous au niveau du chantier, nous sommes à l'exécution. Quand nous exécutons, nous envoyons les quantitatifs au bureau technique, lui qui a les bordereaux. Nous, au niveau du chantier, on n'a pas les bordereaux estimatifs. Nous ne l'avons pas. Nous avons un bordereau quantitatif. C'est-à-dire, toutes les quantités que nous exécutons au chantier, nous envoyons à la direction technique. Par rapport au poste exécuté, la direction s'est dit que voilà, tel poste, et dans l'ensemble, les tirs à ligne, ils sont à 20%. Ils sont à 40%. Ça, c'est la notion technique. Oui, ingénieur, vous arrachez la parole. Partons de votre logique. Vous, en tant qu'ingénieur des formes, attendez. J'ai dit ceci. Vous êtes ingénieur de formation. Même moi, je suis profane puisque je ne suis pas idomètre. En regardant seulement ici, vous pouvez imaginer, c'est ça? Je peux vous dire que non. Même quand nous construisons nos maisons, nous invitons les architectes, ainsi de suite, tout en étant profane. Je peux être devant mon architecte, j'ai dit, mais avec l'exécution ici, d'ici le mois de décembre, je peux venir habiter ma maison. Voilà. Tout en étant profane. Tout à fait. Mais vous, vous êtes du domaine. Voilà là où ça ne marche pas. Mmh. Écoutez, ingénieur, si nous balançons vos propos ici, aucun Congolais ne sera d'accord avec vous. Pas du tout. Oui, puisque ce que vous développez comme discours, c'est comme un politicien qui veut nous tourner en bourrique. Puisqu'ici, c'est la science que vous avez étudiée, que vous êtes en train de mettre à la disposition du pays. Maintenant là, vous n'avez pas eu la bonne volonté de nous donner des voix, des précisions par rapport à ce que vous avez fait. Je pense que tous les... On estime un peu. On prend bonne note, nous vous souhaitons bonne chance, nous vous laissons évoluer dans ce que vous êtes en train de faire. Bonne chance. Maintenant là, il est en train de travailler. Nous allons... Nous imprégner de la situation et vous aider à terminer ce travail. Vous êtes... Non, on a dépassé la limite de 30%. Je vous ai dit non. Nous sommes environ 70% ici. Ça correspond au financement que vous avez reçu ici. Si. Donc il reste un financement de 30% pour que vous terminiez les travaux. C'est ça... vous les chefs des chantiers? Oui, la OVD représente l'État congolais, c'est la mission de contrôle. Oui. La mission de contrôle. C'est quel groupement Cerema Dynamique? Avec le prof Tozin. Avec le prof Tozin. Avec les profs Tozin. Quand les gens viennent des autres, je n'ai pas vu. Vous avez invité le président pour voir un peu ce qu'on a fait. Allez-y. Voilà, dans le Congo, vous allez comme on a. Vous allez conduit par président AI, honorable Jean-Marc Kabound, avec le secrétaire général Augustin Kabuya. Awa Tozali, na 24, na boulevard du 30 juin, croisement 24 novembre, Sikawapi, Baye, Babanda Kibongo, visite d'inspection, na commune ya Nini Yamasina, na Pascal, et puis Bamouni Ndengeni, Nibaso de Mouton, Isaïa Rotelema. Alors, on dit que le 70% est déjà passé. Nous avons parti au pouvoir pour faire la même enquête, pour voir
pourquoi mbongo wana pesa maki alors misale dali ko sale maté bo kindenge nini président AI dali ko tuna mituna na baye oyo ba ko sala misala bande ko ya OVD pe bureau ya grand travaux ya RDC misala basali pourquoi était l'ennemi alors le lot rejoint réponse na parti au pouvoir au baye ko sala enquête na misala oyo po chef de l'état lo ba ki ané oyo za ané ya action alors to ni ko mona action nini oyo il dépense à dire qu'on mène avec président de la République parce que Misala Oezala qui prévu ici là le 25 décembre chef de l'État pense qui même date qu'ezali cadeau au ban RDC va refêter na ngo kasiti sikoyo to moni Misala était les mins organisé na Chine ba tu ko tonga ba hôpital a minene ko yamba ba to ba beli ba virus ya coronavirus ba tonga on a 10 jours hôpital ya minene mais pourquoi ya biso 8 mois et le remords sont limité. Pour avoir réponse à la question de Bino après visite au président Jean-Marc Kabound à Kosa la interview. Et pour avoir une décision, 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 pour éviter l'embouteillage.